Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. Et on est parti pour un nouveau mode de Sonic Generation. Cette fois-ci sur le mode Meltron-poration, je sais pas quoi. Bidule chouette, un mode assez étrange. En tout cas, il y a un niveau assez stylé et un autre niveau qui est moins stylé. Mais on va le faire ensemble. Voilà, et on a un thème chelou aussi. J'avais oublié. On a un mec drogué qui a fait Oil Desert. Donc c'est parti. Vous allez voir, c'était vraiment fait par des amateurs, par contre, cette fois-ci. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Le décor hyper vide. Et puis au fond, vous avez vu que c'est, je pense que c'est le créateur de ce mode. On voit en fond, avec son casque. Ah, purée, je suis mort. Il a plus une tête de streamer. Mais voilà, c'est un mode assez chelou. En mode... Oh purée. Ça marche une fois sur 10. Ah, je suis mort. Ouais, et puis c'est assez buggé comme vous pouvez le voir aussi. Ah purée, j'ai pas réussi. Attends, en passant peut-être sur le côté, non, on est mort. Il y a un trigger. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ce niveau amateur me tient tête. Et non, ça passe pas comme ça. On peut quand même essayer de contourner le trigger, mais bon. On s'est touché par je sais pas quoi. Voilà. Est-ce que franchement, fallait que je vous montre ce mode? Purée, on va mourir. Voilà, c'est... Franchement, là, c'est vraiment... Il y a une vidéo Freestyle Land. Et... Je le dis souvent, ça, mais là, c'est complètement freestyle. Ah, là, c'est un mode qui est en voie de développement, en fait. Voilà. Mais oui, PC Master Race. Vous avez des niveaux comme ça. Putain, mais... On se demande comment on meurt, sérieux. Y'a même pas de trou ici, on passe au travers quoi. Oh oui! Oh oui! Quelle victoire! Il y a des one-up partout, c'est un peu du WTF. Là on voit le mec apeuré qui vient de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait un niveau comme ça? J'étais drogué ce jour-là. Bon allez, elle est moisie du cul cette blague. Hein. Je la referai plus. Bon, quoique, on pourrait croire ça. Là. Défonce les robots. Sachant que le niveau d'après est vraiment sympa par contre. Là, c'est vraiment un niveau chelou. Bon, on se demande où il est sorti quoi. Et là on se demande à quoi ça sert ces loopings. Car en fait il faut aller tout droit. Faire un énorme et gigantesque saut. Ah non, c'est pas encore là le saut gigantesque. Ah c'est là. Quel niveau maîtrisé, vous avez vu ça? Oh la méca technique. Bon, faut tourner la caméra. On peut essayer d'aller là-dessus. Non, je veux pas tomber. Et voilà, fin du niveau. Nous avons fini le niveau de la lampe magique de Aladdin.
Voilà, c'est magnifique. Mon Dieu, c'est ignoble. Bon, au moins, j'aurai pas de problème de droit d'auteur. C'est la bonne nouvelle. Voilà, sur ce, à de suite pour le deuxième niveau de Melpon. Melpoloration, je sais plus quoi. De toute façon, je mettrai le titre, j'essaierai de pas faire de faute. Sega. Et c'est y part pour la deuxième partie de Melpon Trop Passion. Mon Dieu. Bon, Melpon Trop Team, c'est plus simple. Voilà, continuer. Et là, vous allez voir que le niveau est beaucoup plus maîtrisé. Si on le trouve. C'est un peu chelou que ça nous mette que dans... Ah non, voilà, c'est là. Sky Troop, sachant qu'il y a aussi un autre truc à côté. Ice Cap. Mais Ice Cap, ça vient de... Bah, vu la musique. Au début, je me suis dit que ça venait de Sonic Adventure 1. Il y a aussi un niveau dans la glace. Mais Ice Cap aussi, ça vient de Sonic and Knuckles. Sonic 3 sur Mega Drive, et sachant que ça a pas marché, je pense. Voilà, ça marche pas. Voilà, c'est Ice Cap, hein. Évidemment. Non, voilà, il se transforme en City Escape, évidemment. Allez, on est parti pour le niveau original. Quoique, peut-être, si on se met en Sonic 2D, Sonic classique. Déjà, on a la musique. Et le niveau, il a pas changé. C'est City Escape, le truc. Mais oui, on a la musique originale de... Quoique non, elle a été remixée quand même. Elle a été arrangée. Là, c'est Ice Cap. Sauf que là, on est dans City Escape, c'est pas très logique. Voilà, c'était pour vous montrer un fail. Alors, on est parti pour faire le niveau, assez bien maîtrisé d'ailleurs. Qui est, je pense, repris d'ailleurs, oui, c'est même sûrement ça, parce que c'est le même thème. Alors, écoutez ce thème si ça vous dit quelque chose. Voilà, alors si vous en savez rien, eh bien en fait ce thème provient de Shadow the Hedgehog, un jeu pas si connu que ça, Sonic pas si connu que ça, qui est sorti sur GameCube, seulement sur GameCube, je crois que c'est une exclusivité. Et voilà, ce niveau, bah, c'est le niveau repris de Sonic de Shadow the Hedgehog. D'ailleurs, j'ai pas pris le meilleur passage au début. Enfin, je me suis vendu. Pour changer. Et le niveau est assez bien foutu. Hein. Contrairement à celui d'avant. Et oui, il reprend assez bien, même si on reconnaît pas tant que ça. Mais si on est dans les airs comme ça aussi, dans... Shadow the Hedgehog, c'est un niveau de Shadow the Hedgehog, c'est... Je pense, pour être précis, d'après mes maigres souvenirs, que c'est le deuxième stage avec Shadow, si on rejoint les forces du mal. Voilà. Si on est avec l'espèce extraterrestre chelou, là. Au début, si on l'aide, eh bien,
On fait ce niveau là. Dans le deuxième stage. Et même avec Sonic, je crois qu'on fait ce niveau là. Je suis pas sûr, mais si on aide Sonic au début. Mais oui, j'avais pas mal joué à Shadow of the Hedgehog à l'époque. Il est considéré comme un jeu moyen. Mais bon, pour moi, c'est pas non plus... Bah, ça va, quoi. C'est pas un très bon Sonic, évidemment, mais... il est potable. Et à l'époque, bon, je me rendais pas compte, hein. J'étais trop jeune. J'avais même pas 10 ans. Ah, donc... pour moi, c'était un bon petit jeu. Merde. Ah, la chute est très longue aussi, très lente aussi. Ah putain, je voulais faire un truc stylé. Ah, piétinement est toujours bien pour tomber plus rapidement. C'est très bien. Si vous voulez pas voir votre mort au ralenti. Et oui, dans ce niveau-là, bah, on est contre une flotte du Dr. Eggman, si je dis pas de conneries. Putain, encore une fois. Ah, c'est qu'il faut ralentir, il faut obligatoirement faire le homing attack, sinon il s'accroche pas, quoi. Vous voyez, si c'était maîtrisé, si c'était Sega, bah, on passe dessus, normalement il s'accroche tout seul, quoi. Alors que là, c'est pas... Là, c'est bien foutu, quoi. Ils ont pas réussi à faire ça. Le faire s'accrocher quand on passe juste dessus. On est obligé de faire un homing attack pour qu'il s'accroche. Voilà. Comme ça. Sauf ici, étrangement, là ça marche par contre. Si on prend un accélérateur derrière. Ça c'est assez stylé. Vous voyez, le niveau est assez long aussi. Mais pas trop long, c'est le temps parfait pour moi. Pas besoin de faire plus court ou plus long. Merde. Je crois que c'est mort. On peut pas aller en 3D. Ah, ça passe quand même. Ils ont été quand même assez sympas. Ils sont énormes les ennemis là. Je sais pas comment ils ont fait pour qu'ils soient aussi gros là. Ils ont agrandi le sprite, enfin pas le sprite, la modélisation. Pour un sprite c'est pas dur à faire, mais une modélisation c'est plus compliqué. Moi je suis mort. Ah voilà, on peut voir un magnifique bug avec les nuages d'ailleurs. Et voilà, c'est assez... Franchement, c'est quand même bien de faire ces modes parce que bah, ça rallonge beaucoup la durée de vie du jeu. Le jeu, sérieusement, allez, si on fait en ligne droite, on met... Allez, si c'est la première fois, on fait en 4 heures, quoi. Et là, carrément, c'est... Genre, tu fais tous les modes, en tout cas tous les modes intéressants. Je dirais que t'en as à peu près pour ce temps-là aussi, hein. Voire plus. Ça double le temps de Sonic Generation presque. Même si si vous faites toutes les missions dans Sonic Generation, vous en avez plus pour que 4 heures. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ces missions déjà elles sont pas évidentes et donc faut les refaire plusieurs fois. Moi perso ça m'a pris la première fois allez, 20 heures. Voilà. Donc c'est vraiment les missions qui sont mises en avant dans Sonic Generation hein, finalement. Mais les missions sont sympas, c'est pas des petites missions à 2 balles comme on avait dans Sonic Unleashed. Et voilà, c'est une magnifique victoire. Derrière le vaisseau du Dr. Eggman. Qu'on voit dans Sonic Shadow of the Hedgehog aussi. Dans la même ambiance, hein, ambiance style sombre comme ça avec les nuages. Les nuages d'orage. Qu'est-ce qu'il y a là?
D'après la musique, je pense que c'est Mystic. Pas Mystic Cave, non. Ok. Donc en fait je crois que c'est ça fait très thème Sonic Rush là, mais avec un mélange de du niveau Oil. Usine Oil. Bon voilà, sur ce je vous dis à l'arvoyeur pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux modes. Voilà, donc Sky Troop, très bon niveau, je vous le conseille. Je vous conseille de le télécharger. D'ailleurs, il y a... Je vous mettrai le lien dans la description. Bon, je pense que je le ferai plutôt dans la première vidéo que je mettrai en ligne des modes. À chaque Sonic Generations, à chaque épisode de Sonic Generation Mod, je mettrai à chaque fois le lien dans la description du mode en question, hein, pour que vous le faites vous-même, vous parcourez le mode vous-même. Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'arvoyeur pour de nouveaux modes.